la découverte de paysages, d'une compétition qui reste pour moi la plus grande compétition au monde de sport automobile. La découverte de tout ce qu'il peut y avoir autour du rallye raid. Donc, on côtoie les meilleurs de la discipline, dans les meilleures équipes, etc. Donc, c'est la découverte de tout ça. Forcément la condition physique qui se travaille au quotidien aussi bien pour le métier que pour le rallye raid, c'est primordial. Il y a les aptitudes particulières comme la prise de décision en étant très fatigué, en étant sous un effet de stress, etc. Ça c'est des choses qu'on retrouve dans notre métier de pompier et qu'on peut avoir aussi dans une voiture de course. L'endurance en général, le self-control, comme on dit, le fait d'arriver à garder son calme dans des situations particulières et de prendre des décisions et de les assumer surtout.